postes ministériels, conférences internationales, plateaux télé, un visage connu malgré une certaine discrétion. Ce visage, c'est celui de Cabagnalé, actuel ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. C'est en voulant être un commis de l'État, toujours au service de l'État, que je me suis retrouvée de plus en plus dans des fonctions politiques et bien entendu, à des moments donnés de ma vie, donc j'ai dû m'engager. Donc c'était le sens du devoir, le sens de service, de servir l'État qui a guidé mon action depuis toujours. Et je pense que c'est pour cela, c'est comme ça que je me définis et que je me sens jusqu'à présent. Cette macroéconomiste diplômée de la Sorbonne évolue dans les sphères du pouvoir depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est surtout en 2012 qu'elle rentre dans l'histoire en devenant la première femme à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Lorsque le président m'a fait l'honneur de m'appeler pour me donner la nouvelle, j'étais un peu sous le choc. On ne dit pas sous le choc, mais c'est vrai que j'étais sous le coup de l'émotion, une émotion forte, parce que vous le savez, je suis une femme. Je n'ai pas pensé à la question de la première femme sous le coup. J'ai pensé à l'honneur qu'on me faisait en tant qu'individu de me confier un département aussi important, aussi stratégique et aussi sensible. Bien sûr, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'émotion. Et c'est après que j'ai réalisé que c'est aussi à une femme que le président a fait confiance à ce poste-là. Professionnelle de la finance, figure majeure de sa famille politique. Pour ses proches, c'est une histoire qu'on aurait presque pu prédire à l'originaire de Bouna. Mais je vous dis que Niali Kaba, elle avait 20 sur 20 en mathématiques. 20 sur 20 de la 6e jusqu'en 3e. Dans le lycée, elle était la meilleure. Quand on était à l'école primaire, chaque fois qu'il y avait des autorités, c'était elle qui était choisie pour faire soit le discours, soit des récitations ou bien chants. C'était toujours elle qui était choisie. Et quand on le fait, elle le faisait, elle était toujours applaudie. Elle avait toujours les prix. Donc on savait qu'elle avait un grand destin devant. On ne pouvait pas savoir qu'elle serait ministre. Des ambitions, un esprit de conquête hérité de son père. Il disait, vous pouvez le faire, faites comme les hommes, vous avez la possibilité. Toutes mes cousines ne sont pas allées à l'école. Parce que les enfants mettaient les garçons, les parents mettaient les garçons à l'école. Nous, toutes les filles sont allées à l'école parce que mon père a dit à ses frères, écoutez, ce que vos garçons vont chercher, comme moi je n'ai que des filles, elles n'ont qu'à aller. Quand elles seront en âge de se marier, on va les marier. Conséquence, elles sont toutes indépendantes. Faire comme les hommes, plus particulièrement en politique. Celles qui arrivent se comptent sur le bout des doigts. À l'heure où nous tournons ce reportage, 8 des 47 ministres du gouvernement sont des femmes. Au Sénat, elles occupent 19 sièges sur 99. À l'Assemblée, 28 sur 255. 16 femmes maires pour 201 communes. Il faut préparer la Côte d'Ivoire à avoir davantage de femmes. Préparer les esprits, préparer à la culture. C'est vrai, les textes sont là, la volonté politique est là, les mentalités, nous voulons avec ces représentations multiples, avec ces efforts de femmes pour pouvoir donner le meilleur, pour donner le meilleur de nous-mêmes et montrer que nous pouvons faire aussi bien que les hommes, c'est préparer à la Côte d'Ivoire, donc à rentrer dans cette marche mondiale où la femme n'a pas d'espace interdit. Je le dis souvent, je pense que c'est important que nous puissions tous donner aussi beaucoup de députés à la Côte d'Ivoire. Lorsque nous regardons la représentativité donc, des femmes dans ces instances électives,
On voit que la Côte d'Ivoire a des choses à rattraper. Des fonctions et des responsabilités qu'elle veut assumer pleinement, comme lorsqu'elle parle de développement pour la région qu'il a vu naître, le Bounkani. On a programmé la journée de demain comme étant la journée de l'eau. Qu'est-ce qui est possible demain et puis les perspectives? Il y a un appareil de traitement qu'on appelle le Dosatron. C'est ce que tu me regardes. Voilà, il y avait un ancien qui était là, mais ça a été enlevé. Ah, ça a été enlevé? Ça a été enlevé. C'est pas grave. Voilà, il faut en mettre un. D'accord. Pour qu'on puisse faire ce raccordement, il y a une bonne partie. Ils sont obligés de faire, de servir le village de façon tournante. Oui, c'est ça. Ou lorsqu'elle doit préparer le terrain pour son parti pour des élections. On a beaucoup de choses à voir. Nous sommes en train d'aller à Nassian, mais les activités préparatoires à Bouna aussi sont des contraintes qu'il faut gérer avant de bouger. Ça fait d'ailleurs que nous allons partir avec un peu de retard, mais je suis sûre qu'on va rattraper tout sur place avant. Une dame qui aime profondément sa région. Une dame qui est toujours désireuse de tirer les populations vers un mieux-être, mais qui le fait avec discrétion, qui le fait avec efficacité, qui le fait surtout avec exigence pour nous qui sommes ses collaborateurs de tous les jours. J'ajoute l'honnêteté. Il faut pouvoir travailler de façon honnête avec elle pour que vous puissiez rentrer dans ses grâces. Ça, il faut le dire. Elle est droite, elle travaille correctement et c'est ce qu'elle nous demande. Le convoi de Kabanyalé arrive enfin à Nassian. Le pied à terre, le jeu politique démarre. Madame, vous faites attention, quoi. Comme le sol, c'est vrai, je vois que c'est pour le cahier. Lorsque Niel et Kaba met sa casquette de politique, stratégie et mobilisation s'entremêlent. Mais elle tient aussi au respect de la tradition, comme ici, en visite chez le chef du village de Nassian. Il était important de venir prendre les bénédictions et pour accompagner notre candidat, mais surtout en tant que ministre dans la région, venir demander au chef de pouvoir passer le message de la fraternité. Après ces élections, c'est leurs enfants qui font la compétition. Les gens vont encore se retrouver en toute fraternité. Il n'y aura qu'un élu. Il faut qu'il soit le frère de tout le monde, le cousin de tout le monde, le beau de tout le monde et que les gens continuent leurs relations familiales après les élections. Et dans ses habits de femme politique, ce type de tournée est devenu la routine. La ministre est la figure incontournable du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, son parti dans la région du Boukani. Il y a également une force de résilience que Kabanyalé développe chaque fois qu'elle est confrontée à quelques difficultés dans la conduite de sa vision. Mais globalement, elle arrive toujours à accorder les violons. Aujourd'hui, elle est candidate, je dirais que c'est la continuité. C'est justement le couronnement de ce qu'elle a. Elle aura commencé depuis longtemps. Elle était députée. Le parti a décidé, a préféré. Et un autre candidat, elle s'est pliée. Aujourd'hui, le parti l'a choisi. Mais je pense que c'est juste pour continuer ce qu'elle a commencé. Tenue décontractée, nous retrouvons Kabanyalé au grain du quartier Salia. Les grains, ces espaces connus comme des lieux de retrouvailles de jeunes pour échanger sur tous les sujets sociaux. Et aujourd'hui, l'attraction majeure, c'est bien celle qui brigue à nouveau le poste de député de Bouna. Et elle joue la carte de la proximité. Mais sans se renier, là où Niel et Kaba se sent le mieux, c'est
c'est quand on parle de développement au plan local, mais aussi au plan national. Aujourd'hui, elle préside cette cérémonie de raccordement à l'eau potable. Elle est dans son rôle et je dirais que ça y est dans son développement et dans son sang. Voilà. Elle est ingénieure statisticienne économiste. Elle a fait de grandes études, elle a côtoyé des grands partenaires. Quand on parle du plan national de développement, c'est elle. Voilà, c'est elle et son équipe. Elle a conduit le PND 2016-2020 avec brio. Et aujourd'hui, ses équipes sont au travail pour le PND 2021-2025. Voilà. Donc, pour vous dire que le développement, c'est Nelly Kaba. Mais la native du Bouko peut-elle prétendre à de plus grandes ambitions? Bien entendu, pour nous, c'est un souhait que Kabane aille plus loin. Pour par exemple. Bon, je pense que je ne voudrais pas me dire sur votre plateau. Voilà, mais je pense que ses compétences lui ouvrent des portes plus larges, des portes plus hautes. Et nous souhaitons seulement que sa collaboration avec le président de la République soit plus grande, la confiance que le président de la République place en elle soit plus grande et qu'il aille plus loin dans la promotion du genre, dans la désignation vers d'autres postes qui permettront donc à la femme qu'elle est de démontrer qu'elle a de réelles compétences pour servir la Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas plus. Mais en ce moment, elle est dans son rôle. Et c'est des volontés politiques qui c'est des choix à partir d'un moment donné. Donc nous pensons qu'en ce moment, elle est dans son rôle. Et c'est Dieu qui fait le reste. Elle peut être présidente de la République. Parce qu'elle aime le travail. Elle aime le travail bien fait. Et puis elle est très sensible, je vous dis. Elle est très sensible. Et puis elle est tout le temps sur le terrain. Elle connaît nos problèmes. Elle connaît les réalités. Oh, oui, bien sûr. Qui ne rêverait pas d'arriver là-bas? Bon, si ça arrive, c'est comme on a prié pour qu'elle soit ministre. Elle a été ministre. Si un jour, le destin lui donne ça, ce serait bien. Femme discrète, mais influente et de pouvoir. Kaba Niallé est sans doute l'une des figures incontournables de la politique ivoirienne. Une vie politique qui peine encore à faire plus de place aux femmes qui l'embrassent.